闇の中、暗躍せし影たちに光となって、正義の鉄槌を与えよう。忍ばず忍び、獅子神バイ、いざ参る。 The Wheel of Fate is turning. Rebel Rouge. Action. タネクンシャル、しかも引っ込めば、何やってんの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 、Allez les gars, encouragez les joueurs s'il vous plaît. Voilà, c'est ça qu'on veut. Donc maintenant c'est reparti. Alors attention, Rachel qui presse, qui presse, Rachel de Lorette qui passe pas, Lolo qui passe pas, l'invocation de la grenouille, le banc qui est utilisé. Attention, banc qui lance un coup, qui utilise Sprinter, c'est bon, il fait son combo dans le coin. Il passe même très très bien, ça fait pas beaucoup de mecs qui joue pas mal, ça y est, reprend derrière. Toujours pareil. Là où ça lui fait rire, Saloki, mais pas encore Rachel qui laisse passer. Elle repasse, une Lorette qui passe. Combo, ils attendent Rachel, invocation, il utilise le banc, mais ça passe pas. La grenouille qui n'est pas passée pour l'instant. Oui, c'est bon, la grenouille qui passe là. Et il a su du combo. Il invoque, il continue à zoner. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Jack, elle a à peu près tout ses dents. Il en a utilisé un. Il a la moitié maintenant. Ça utilise tout ses dents pour son combo. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Ah oui, l'entière qui passe avec le combo. Ice Max, malheureusement, Jack, elle a droppé. La fille qui passe devant. Oui, la fille qui passe. Donc attention, Jackal qui a tout ça, il peut toujours faire quelque chose. Lolo qui passe. Oui, la chaise qui passe, oui. L'armor qui a bien tanké, c'est pas mal. Plus de barrière de la part. Et encore la furie. Oui, c'est la furie. Donc 1-0 pour Dragon Lords. Allez les gars, encouragez-le, même s'il n'est pas d'ici. Please select your character. Rachel Alucard. C'est Stunfest quoi donc. Donc Jackal qui va pas se les laisser faire. The Wheel of Fate is turning. Rebel 1. Donc c'est reparti. Donc alors attention pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Le coup qui passe, qui empoisonne. L'overhead qui passe, le derrière combo. Non, ça continue. Oui, si c'est bon, ça passe. Oui, c'est bon, il l'emmène dans le corner. Donc pour l'instant, la Jackal qui est pas dans une bonne situation. Dragon Knight qui essaye de le repasser dans le corner. Mais Jackal qui a réussi à s'en sortir. Le burst qui est passé. Oui, c'est bon, ça passe dans le corner. Pour l'instant, Dragon Lord qui sait vraiment pas faire, qui sort du corner facilement et qui presse encore Rachel. On voit que Jackal a pas souvent l'habitude et je pense que ça va se finir là-dessus, sur la distorsion. Et oui, c'est bon, distorsion finish. Alors, attention, l'environnement qui est utilisé, mais Bang qui ne laisse pas faire. Nous avons un invité mystère qui vient d'entrer, Kimaf. Bon, je vais vous commenter à partir d'aujourd'hui. Donc on va dire que Bang a une pression. Comme vous voyez en bas, il a ses 4 symboles. Ça lui permet d'utiliser sa furie de choc, comme il l'avait fait dans son dernier parti. Et il continue son pressing. Et voici la chose B. Overdrive. Ah non, c'est le Fury Cannon. Fury Cannon. Et balancé à la fin de Voltage. Vous regardez bien, c'est du joli spectacle tout ça. 4000, ça fait vraiment mal. Ça fait, oui, ça fait, je l'avoue, ça fait vraiment mal. 4000, il est vraiment dans la tourmente. La Jackal va voir qui donne tout pour pouvoir passer. Là pour l'instant, des bons dégâts. Et Jackal qui continue avec son petit pressing. Il veut pas se laisser faire. Oui, Jackal a rouge, il veut la grenouille. Lucky. Il s'est pas laissé faire. Attention, ça va gratter, ça va essayer de gratter.
Parce que Jagan attention entière. Il lui reste encore quand même le 4 kunai. Va-t-il les utiliser pour le tuer? Jackal qui revient bien, qui a encore le burst, mais je pense pas qu'il va utiliser. Oh oui, oh c'était bien joué. C'était bien joué. Oui oui, c'est fini. Et c'est fini. Donc c'est le FT3. Non, c'est un FT2. C'est un FT2, c'est la finale win bracket. Ok, d'accord. Bah oui, bah oui, je vais jouer. Ah oui, parce que ce gros sac, comme vous pouvez le voir, il va jouer et il commente en même temps. Donc il va y... Donc il... Oui, c'est en 3. Le final winner, c'est toujours en 3. Bah c'est ça. Est-ce que vous voulez en 3 ou vous voulez en 2? Eh ben c'est parti, 3ème round. On va vous redonner une nouvelle chance. 3. Grâce à ça. Allez les gars, on met des encouragements. Ben voilà, ce sera en 3 enfin. Ils ont des idées en 3. Je veux toujours du plus, mais encore plus, voilà, fais pas chier. On est pas malade. Bah tout ça c'est grâce au public, ils veulent encore un dernier match. Donc pourquoi ne pas leur dire non? Vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est parti pour le dernier match pour Dragon Lord. Est-ce que le retour peut-être de Jackal? Bien sûr, Jackal qui va pas lâcher l'affaire. Il va faire en sorte de vite se rattraper. Donc pour l'instant, il s'est bien pressé. Rachel qui a réussi à reprendre l'avantage. L'instantanage de la part de Bang qui varie sur un combo, c'est bon. Ça c'est plutôt bien. Le counter aussi. Jackal qui burst, l'invocation de la part de Jackal. Et le voici grâce au kunai, comme vous voyez, kunai empoisonné qui baisse la vie de Rachel petit à petit pendant que Rachel le tape, pendant que Bang le tape. C'est un combat assez expéditif pour Dragon Lord qui gagne le premier match. Ça va être un bal de match pour Dragon Lord. Donc Jackal lui continue. Oh, il a fait un drive, il s'est fait punir. Bang pour le kunai. Et le pressing encore et encore avec le vent qui lui permet de faire des overheads, des instants d'overheads. Et qui n'a pas réussi à passer. Attention, c'est bon, ça a touché. Et le burst de la part de Dragon Lord. Attention, le combo dans le corner qui va faire bien mal, celui-là, vraiment mal. En plus, il a de la barre, il pourrait faire tirer derrière, mais ça m'étonnerait. Et ça lui a permis en même temps d'avoir ses 4 symboles. Attention, il risquera de refaire sa furie. Donc oui, ça passe toujours dans le corner, là Rachel est vraiment chopé. Super air shop. Enfin, la shop spéciale, pardon, excusez-moi. Donc là, il a réussi à bien faire un wifi grâce à son... Attention, il a... Non, il est pas passé. Jackal qui invoque toujours, il a du vent, il va essayer, en plus il a de la tension. La grenouille qui est là pour presser aussi. La shop. Ah, mais attention, malheureusement ça passera pas. Ouais, la chape non plus qui passera pas. Continue comme ça. Oui, l'invocation. Encore invocation. C'est toujours pas fini. Attention, les invocations qui sont là, la grenouille qui... Eh oui, l'entière qui est passée, il a pas pu continuer. La chape. Bonne chape. Jackal est toujours là, les amis. C'est pas encore terminé. Donc attention, Bang qui presse toujours, la chaise qui passe, oui. Ah malheureusement il continuera pas son combo, les clous qui sont là. Il continue toujours à presser, oui ça passe, combo derrière, classique. Ah, l'overhead n'a pas passé. Le burst qui est utilisé de la part de Dragon Lord. Oui c'est Dragon Lord, un overhead tranquille. Il continue à sauter et à l'enchaîner, tout en augmentant sa, encore sa jauge. Et c'est symbole. Il est déjà à 3 en un seul combo. Et il ne reste plus qu'un et en plus il a 78%, ça va vraiment être très dangereux. Là Jackal qui fuit le coin, qui a toujours son burst. N'oubliez pas que c'est le dernier round. Ouh, Jackal qui burst. Le Jackal. Attention, la qui est pas passé. La shop qui est passée par contre. Encore shop. Combo dans le corner, ça passe pas. Raté. C'était très très bien joué. Victoire de Dragon Lord. Bravo à lui. Très bien joué. Allez la salle. Très bien joué à Dragon Lord. Très bien joué à Jackal. Ils ont très bien joué. Félicitez-le.